Une huile d'arachide à 90 degrés, ça fait mal. C'est craché littéralement. Quotidien. Allez, GD. Oui, oui, oui. Au travail quotidien. On dit qu'il y a des problèmes de salaire, c'est le collectif, là, on l'a monté en début d'année. Hein. Alors, c'est un collectif qui s'est monté un peu pour faire pour renouvellement. Quoi. C'est-à-dire que moi, je fais partie aussi d'une association qui se bat depuis Léa, qui s'appelle Léa, qui se bat depuis 15 ans contre ce projet. Et là, on avait besoin un petit peu de renouveler les effectifs. Et puis, justement, les gens qui sont dans le collectif ne viennent que pour... ne sont censés venir que pour la lutte contre la LGV. Bon, même s'ils s'intéressent à d'autres problématiques, mais voilà, on avait besoin aussi de faire un peu le buzz pour renouveler et puis essayer de toucher de nouvelles couches de la population et des jeunes en particulier. Bon, ce projet-là, on sait très bien maintenant qu'il est hors d'âge et qu'il est totalement illégitime. Il y a eu une enquête publique qui a été négative, mais de toute façon, ils n'en ont pas tenu compte. Bon, l'État est intransigeant là-dessus, l'État au service des multinationales, Vinci et compagnie, bon, c'est tout ce qui les intéresse, c'est de faire le projet. La rentabilité sociale de tout ça, pour eux, c'est pas le problème. Quoi. Après, vous démerderez avec les dettes s'il y a des dettes. Quoi. Voilà, donc ça, c'est pas possible. Sur la journée d'aujourd'hui, bon, mais là, on avait fait une première manifestive à Noyant au mois de juin, ça qui avait très très bien marché aussi, qui était plutôt axée sur la vallée du Ciron, c'est-à-dire qu'on avait déclaré la vallée du Ciron zone à défendre, alors en faisant bien comprendre que de toute façon, c'était aux habitants du territoire de défendre leur vallée, quoi. Et là, maintenant, on a voulu marquer le coup par rapport au train du quotidien, c'est-à-dire que de toute façon, les 14 milliards d'euros que l'on va mettre dans la LGV, eh bien on ne les mettra pas dans le renouvellement de la SNCF ne les mettra pas dans le renouvellement des caténaires, des rails, enfin l'amélioration des conditions de transport. Et enfin voilà. Et donc on a profité avec l'aide de la mairie de Saint-Macaire, puisque les maires de toute façon sont confrontés quand même, ils étaient confrontés à la fermeture de leur gare. Ici à Saint-Pierre-d'Aurillac, à Caudreau et puis à Saint-Pierre-de-Mont. Non, c'est pas Saint-Pierre-de-Mont, mais je ne sais plus laquelle c'est l'autre. Et ils sont vraiment confrontés à ce problème-là. Quoi. C'est-à-dire que les gens maintenant, c'est les communes qui se repeuplent et beaucoup de gens travaillent sur Bordeaux et ce qu'ils veulent, c'est avoir des conditions de transport qui soient correctes et qu'on ne nous dise pas quand on arrive à la gare, par exemple, ah, le train de 7h45, il a été supprimé parce que. Bon, ça c'est inadmissible. Et ça, de toute façon, je crois que c'est actuellement, les gens le supportent de moins en moins.
On veut quand même être on veut pouvoir aussi décider de nos choix. Bon, la LGV, de toute façon, on n'en veut pas. La population l'a rejetée, les élus l'ont rejetée, donc c'est bon, on n'en veut pas. Maintenant, si le gouvernement s'entête, eh bien, on ira peut-être au clash, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les travaux, de toute façon, on les bloquera, on fera le nécessaire, mais de toute façon, on ne les laissera pas passer. Voilà, et maintenant ici, là, on a monté cette manifestive, là, donc voilà, avec les stands de diverses associations, des petits producteurs. Bon, il va y avoir un débat tout à l'heure, une petite conférence de presse, et on veut discuter de ça aussi. Alors, on va continuer à discuter toujours des AFSB, des élus, tout ce qu'on voudra. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse de discuter maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait s'il commence les travaux. Voilà.